Monsieur le gouverneur de la province de Lomami, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur, honorables députés provinciaux et très chers collègues, Messieurs et Madame les ministres provinciaux et membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Messieurs les membres du cabinet de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Madame le maire de la ville de Cabinda, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kabuela-Buela, Mesdames et Messieurs les représentants de forces vives de la société civile, Mesdames et Messieurs, distingués invités, observant ce fait en vos titres et qualités respectifs. Cette cérémonie d'ouverture solennelle de la session de mars 2023 s'organise dans un contexte particulier, celui d'une assemblée qui se voit réduite d'un de ses membres à la suite de la mort de notre collègue, celui qui était le doyen d'âge de cette législature en cours et celui qui avait été le président du bureau d'âge, celui qui a tenu pour la première fois pour cette législature au marteau de commandement de cette assemblée. Pour ce faire, avant de donner lecture au petit discours préparé pour cette cérémonie, nous invitons l'auguste assemblée à se tenir debout pour observer une minute de silence en mémoire de notre deuil. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Distingués invités, honorables députés, très chers collègues, c'est conformément à l'article 16 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province tel que modifié et complété à ce jour par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, que la cérémonie de ce jour tire son fondement. C'est au respect de cette disposition légale que l'Assemblée provinciale de Lomami procède ce jour à l'ouverture solennelle de sa première session ordinaire de mars 2023. Tout en saluant votre présence dans cette salle, distingués invités, nous rendons continuellement notre gratitude au bon Dieu, maître de temps, qui a veillé à la protection de tous les honorables députés provinciaux pendant toutes les vacances parlementaires, ainsi que de notre personnel de l'Assemblée provinciale, en dépit de l'ultime décision qu'il a prise, celle de retirer le souffle de vie à celui qui était le doyen d'âge de cette législature en cours. Nos hommages les plus déférents vont tout droit au chef de l'État, président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour rétablir la paix
dans la partie est du pays. Par cette même occasion, nous saluons l'avènement du gouvernement Samalou Kondé II, auquel nous souhaitons un fructueux mandat. En outre, je remercie les honorables députés provinciaux pour avoir sensibilisé la population dans leurs bases respectives en faveur du processus d'identification et enrôlement lancé dans notre province depuis janvier 2023. Cet enrôlement massif va certes garantir dans un avenir proche le poids électoral de la province de Lomami et donner la chance d'un deuxième mandat au chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections qui pointent à l'horizon. Excellences, Monsieur le Gouverneur de province, honorables députés provinciaux et très chers collègues, distingués invités, la session qui s'ouvre est essentiellement consacrée à la législation et au contrôle parlementaire. Par législation, il faut entendre par là le vote des édits provinciaux pour l'intérêt supérieur de notre province. À cette même occasion, l'Assemblée provinciale va traiter les matières retenues au calendrier comme arriérés parlementaires. Avant de terminer, chers collègues, cette adresse, votre bureau vous reconfirme sa disponibilité de vous accompagner dans vos missions constitutionnelles. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2023 à l'Assemblée provinciale de Lomami. Merci beaucoup.